Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Ça va plus ou moins. Enfin bref, je viens pas pour m'épancher sur mes petits problèmes que j'ai eu récemment. Je viens pour vous parler de ma pelle du Cozy Mystery Challenge que je prévois, que j'ai préparé pour le 1er septembre jusqu'au 30 septembre. Comme je vous ai montré dans le post, en fait, vous avez la possibilité de faire suivant les paliers, soit suivant donc le nombre de livres lus, soit suivant des consignes, ou faire les deux. Donc, c'est comme vous voulez. Moi, ici, j'ai fait une liste, j'ai une grosse pile de tous mes cosy au fait que j'ai envie de lire. Je ne sais pas si je lirai tous, vu mon petit problème en ce moment. On va dire que j'ai lu zéro livre déjà en août, donc c'est très compliqué pour moi de lire, donc je vais essayer que ça va me booster et que vous aussi vous serez super enthousiaste pour ce petit challenge que j'ai concocté. Donc ici vous avez donc les paliers, donc c'est en dessous de 5, ce sera le palier Hamish Macbeth, entre 5 et 8 ce sera Anna Swensen, entre 9 et 15, ce sera Agatha Raisin, et plus de 15 livres lus, ce sera Agatha Christie. Alors, vous allez vous dire, ouais, pourquoi elle a mis Agatha Christie alors que tous les autres, c'est des personnages? Parce que pour moi, Agatha Christie, au fait, c'est la pionnière du Cozy Mystery, avec Hercule Poirot, parce que pour moi, Hercule Poirot n'est pas un policier, mais c'est un détective. Donc, c'est tout à fait un Cozy Mystery, avec cette façon très particulière qui a le Cozy Mystery d'être pas dans le gore, que c'est une ambiance très particulière, que ça se passe en Angleterre, enfin bref, tout ça. Donc voilà, pour moi c'est vraiment la pionnière du Cozy Mystery et je n'en démordrai pas. Voilà, donc ici je vais vous montrer ma palle plus par rapport comme ça. Je vais surtout vous montrer, enfin, ceux qui pourraient être lus. J'en ai encore un que je n'ai pas, parce que voilà, je ne l'ai pas, je n'ai pas en physique, qui pourrait être lu dans une des catégories. Mais je vais commencer par la première catégorie. Donc, l'histoire ne se passe pas en Angleterre ou en Amérique. Alors là, c'est un peu compliqué, parce que c'est vrai que c'est fait exprès, hein. Je l'ai fait exprès. Ben oui, forcément, vous vous rendez bien compte que si j'avais fait en Amérique et en Angleterre, c'était trop facile. Donc, ben, tout simplement, j'ai déjà pris le premier tome de la saga au service secret de Marie-Antoinette, hein, qui peut aussi être dans la catégorie personne connue, parce que j'ai pris personnage existant. Marie-Antoinette, forcément, est une personne qui a existé. Donc voilà, donc ça se passe à Versailles, c'est les bijoux de la comtesse de Berry qui ont disparu 4 ans plus tôt, et depuis les cadavres ne cessent de pleuvoir. C'est la première phrase. Moi, tout ça, déjà, ça me tombe bien, ça me hype. J'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer, donc je sais qu'il va y avoir, se mettre avec deux autres personnages qui sont Rose Bertin et Léonard Rothier, et qui vont devenir en fait des enquêteurs et qui vont être missionnés pour trouver qui a volé ses bijoux et qui tue ces gens, quoi. Donc voilà, moi franchement je suis fan. Ensuite, un autre donc voilà, par exemple, l'auteur, ce n'est pas de l'Angleterre et des USA, eh bien, j'ai pris un livre français, qui est de Margot et Jean Lemolle, donc Pretel et Beurre Salé, enquête de Locmaria, donc le tome 1. Alors, moi, sinon, je pensais tout simplement à Nadine Monfils avec les enquêtes de Magritte et Georgette que je vous avais déjà présenté le premier tome il y a quelques mois d'ici. Si je trouve le deuxième tome, eh ben, je lirai bien celui-là. Parce que j'avais bien aimé l'histoire de Magritte et Georgette et c'était super. Ici, ben, ça se passe dans le Finistère. En plus, donc, il peut aussi en même temps être... Donc l'histoire ne se passe pas en Angleterre ou aux USA. Et voilà. Je sais qu'il y a eu quelques...
que pour certains, il y avait eu un petit débat par rapport à la façon dont certains personnages critiquaient les étrangers. Mais je pense que c'est plus par rapport au fait, tout simplement, que c'est un petit village et que dans les petits villages, ben, c'est vrai qu'on a du mal à accepter tout ce qui est étranger en général. Donc voilà. Donc tout ce qui est différent. Mais je compte bien lire ce livre, il m'a l'air super sympa, j'en avais entendu des bons échos à part ça, donc on verra bien. Ensuite, eh bien, personnage existant, eh bien, on avait aussi celui-ci, donc Sa Majesté mène l'enquête, donc le tome 1, Bal tragique à Windsor de S.J. Bennett. Oui, j'ai pas dit que c'était les maisons d'édition, désolée. J'essaie de faire une vidéo assez courte hein, pour la mettre sur Instagram. Donc ici, ça parle donc de la reine Elisabeth II qui mène sa petite enquête sur un pianiste russe qui est retrouvé pendu dans sa chambre. Donc, elle trouve pas ça normal, hein, enfin, forcément. Qu'est-ce que c'est que ça dans sa chambre? Quelqu'un qui est mort. Donc du coup, elle va mener sa petite enquête. Voilà, bah, ça a l'air super marrant. Enfin, le moins, j'en avais entendu des super bons retours. Donc, j'ai vraiment hâte de lire cette saga. Alors, ensuite, le quatrième, pour ce quatrième. Je sais plus ce que je veux dire. Enfin, pour la quatrième consigne, c'était ce n'est que le personnage est un homme. Parce que réellement, dans quasi tous les cozy mysteries, ce ne sont souvent que des femmes. Eh ben non, il y a quand même la série de MC Beaton, Hamish Macbeth. Comme je vous ai dit, bah, c'est le premier d'ailleurs dans le palier. Hein, bah, parce que bah, Miss Macbeth, c'est un cozy mystery, mais en même temps. C'est un petit polar parce que Hamish Macbeth est policier. Donc c'est un peu particulier. Mais on le met quand même dans les cozy mysteries parce que voilà, il y a l'ambiance et tout. Mais ici, on va. Je sais pas ce qui va se passer exactement en fait. C'est un homme qui est détesté, le plus détesté du village qui est assassiné et jeté en pâture à un élevage homard. Ça doit être pas mal. Donc c'est le tome 2. Parce que j'ai lu le tome 1 déjà. Donc c'est dans Qui s'y frotte s'y pique. J'avais bien aimé le tome 1. C'était un truc avec de la pêche. Ça parlait pas mal de pêche. Donc ici, à mon avis, ça parlait quand même pas mal de homard. Mais franchement, j'avais bien aimé. Donc voilà. Et alors, en même temps, je me suis dit, pour avoir aussi un homme comme personnage masculin, j'ai pris un Agatha Christie avec, bien sûr, notre cher Hercule Poirot. Comme ça, je lirai mon petit Hercule Poirot pour le mois, vu que ça fait au moins 2 mois que j'ai pas lu d'Hercule Poirot. Enfin bref, j'ai pris Les Pendules, c'est un que j'ai trouvé pas cher. Enfin, c'est un neuf, c'est un que j'ai jamais, que j'avais pas du tout, que j'avais jamais entendu parler. Donc voilà, je me suis dit, je vais prendre celui-ci. Et voilà. Je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais même pas de quoi ça parle. C'était juste à couverture. Enfin bref, c'était Hercule Poirot, quoi. Bon, à part ça, tous les autres livres sont des cas bonus, on va dire, hein. J'ai par exemple Son espionne royale, tome 1, mène l'enquête, qui est de Rhys Bowen, chez La Bête Noire, donc Robert Laffont, qui se passe à Londres en 1932 avec la Lady Victoria Georgiana Charlotte Eugénie, fille du duc de Glendegary et Rannoch, 34e héritière du trône britannique, est complètement fauchée depuis que son demi-frère lui a coupé les vivres. Voilà qu'en plus ce dernier veut la marier à un prince roumain. Bon, bah, elle refuse et forcément elle veut vivre sa vie et ce qui est bien. Et donc du coup, elle va devenir espionne. Donc voilà, c'est pourquoi pas. Ça m'a l'air pas mal, j'ai eu pas mal de bons échos aussi. Donc pourquoi pas. Je vais aussi lire dans les premiers tomes Les Petits Meurtres en campagne des enquêtes de Lady Hardcastle, donc le tome 1 de
Kinsey chez City. Je sais que c'est Lady Hercastle qui va quitter Londres pour un petit village et où il va se passer bien plein de meurtres et donc elle va mener sa petite enquête, forcément comme d'habitude. Celui-là, je ne sais pas, je n'en ai pas entendu parler, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. On verra bien et voilà, je vous en parlerai. Alors, sinon, un qu'on a entendu pas mal parler aussi, c'était Les Dames de Marlowe qui enquête Mort contre triple de Robert Thorogood. C'était des petites vieilles femmes qui font leur Scrabble tous les jours et enfin bref, qui jouent et qui s'amusent, qui se côtoient tous les jours et qui mènent leur petite enquête sur un petit meurtre. Maintenant, je ne sais pas exactement de comment ça se passe, mais enfin bref, je sais que ça avait été pas mal. Il y en a beaucoup qui avaient bien aimé, donc encore un beau petit cosy mystery. Que je n'ai pas du tout entendu parler, mais alors absolument pas, c'est de H.Y. Anna, L'été meurtrier d'Oxford, donc le tome 1, Chou à la crime, chez City aussi édition. Donc ça parle de Gemma qui décide de quitter son job bien payé, mais qui est trop monotone pour ouvrir un salon de thé, au fait, tout simplement. Et de là, à mon avis, il va se passer quelque chose et elle va enquêter avec... Ça a l'air d'être un style de Anna Swensen, donc on verra bien. J'ai lu une page ou l'autre comme ça pour voir un peu le style d'écriture. Ça a l'air vraiment génial. J'ai hâte de le lire. Et enfin... je fais tomber ma page de livres. Mes deux derniers, ce sont des suites. C'est... je voudrais bien lire le tome 2 de Détective de Yorkshire parce que j'avais adoré le tome 1. Donc avec le crime... avec le mal plutôt. Rendez-vous avec le mal de Julia Chapman. Donc nos deux détectives... comment l'agent de recherche d'Avalon là avec Sanson et je ne sais plus comment elle s'appelle. Je me souviens. Ah, Delilah, c'est ça. Et on va voir ce qui va se passer, hein, s'ils vont se remettre ensemble ou pas aussi. Enfin bref. Voilà. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer dans cette suite. Parce que j'avais vraiment bien aimé. C'était un bon petit cozy mystery. C'était un bon petit village avec plein de gens, de personnages super sympas et tout. Enfin bref. Et enfin, le dernier et le tout dernier que j'ai dans ma palle, c'est... Enfin, le tout dernier que j'ai dans ma palle. Donc j'en ai encore d'autres, mais que je voudrais bien lire. C'est le tome 3 des enquêtes d'Anna Swensen, donc de Joan Fluke, Meurtre et Muffin aux Myrtilles, qui se passe encore en hiver, si je me sens bien. Oui, c'est ça, sport de glace et activité pour enfants, qui se passe encore en hiver, donc j'aimerais bien le lire, comme ça. Le suivant est en été. Je pourrais peut-être le lire tout avant qu'il ne fasse froid, quoi. Alors, vous voyez ce que je veux dire. Bon, enfin bref, j'avais adoré le tome 1, le tome 2, je trouve cette série super géniale. Anna Swensen est... d'un marrant, d'un humour hyper attachant. Enfin, c'est un personnage super attachant et tout. J'adore. Et en plus, tout ce qu'on a envie, c'est de manger en même temps que de lire. Donc voilà, je vous ai montré toute ma palle, qui, je sais pas, fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 livres. Je ne pense pas les lire tous les 12, hein, je vous ai dit, ça c'est un peu compliqué. Alors, bien sûr, si vous les écoutez en audio, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi en trouver peut-être en BD, manga, ça m'étonnerait qu'il y en existe, mais en BD, ça pourrait très bien, parce que les Hercule Poirot, ils sont en BD, sans problème. Donc voilà, je vous laisse libre cours à votre imagination, hein, dans tout ce qui est pile à lire, hein, tant que ça se lit, forcément. Voilà. Et bien voilà, j'espère que cette petite palle vous aura plu, que cette petite vidéo vous aura plu. Je sais, j'ai été un peu vite, mais je parle un peu vite, mais j'essaie de le mettre pour que ça aille sur Facebook, sur Instagram et pas sur YouTube. Maintenant, si j'arrive pas à la mettre sur Insta, je mettrai sur YouTube. Voilà. Et bien, je vous souhaite un plus dans le bus. Salut !